Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux aujourd'hui autour de la réédition de la carte de Cassini. Cette réédition nous offre l'occasion de plonger dans l'histoire de la cartographie et de comprendre les avancées scientifiques, les techniques en astronomie et en géodésie notamment. Et ces échanges nous permettront également de découvrir les coulisses de cette réédition et d'explorer les pratiques cartographiques contemporaines. Pour cela, j'ai le plaisir de vous présenter nos trois invités. Donc Loïc Boissier, cartographe autoproclamé, comme il aime le préciser. Bonsoir. Qui nous invite à découvrir les territoires urbains. Théodore Lillot, éditeur de Conspiration Édition. Et enfin, Denis Savoie, historien des sciences spécialisé en astronomie, qui est conseiller scientifique à Universcience. Et Denis a également donc, fait sa thèse et est aujourd'hui encore chercheur à l'Observatoire de Paris, qui est le point de départ de notre discussion. Donc, l'Observatoire de Paris est un lieu emblématique pour la carte de Cassini, où l'astronome Jean Picard, avant les Cassini, a joué un rôle essentiel dans la réalisation de ces cartes. Justement, Denis, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le rôle de Jean Picard à ce projet ? Alors, Jean Picard, c'est un astronome majeur du XVIIe siècle. On peut dire que c'est le fondateur de la géodésie moderne. Il n'y a pas que la cartographie comme corde à son arc. C'est aussi un gnomoniste. Il a fait beaucoup de cadrans solaires, notamment ceux de la Sorbonne. Et Picard, c'est un technicien et un astronome de terrain. Et donc, il va se lancer dans la détermination de la longueur du rayon de la Terre, un peu comme l'avait fait Eratosthène au IVe siècle avant Jésus-Christ, sauf qu'il va utiliser des méthodes un peu plus perfectionnées. Et Picard va bénéficier, dans cette seconde moitié du XVIIe siècle, d'inventions majeures. D'abord, la sienne, il faut dire qu'avant Picard aussi, il y a des cartes qui existent. Hein. C'est pas Picard qui initie les cartes. Et vous verrez, par exemple, que dès le XVIe siècle, vous avez des cartes de France qui sont extrêmement, on va dire, approximatives. 1525, c'est la carte d'Orensfine. Vous la regardez, elle est facilement trouvable. Vous avez une déformation en longitude de la France qui est terrible. On connaît très mal également certaines latitudes. Donc il y a une nécessité, on va y revenir, d'établir une cartographie correcte, et notamment les dimensions de la Terre. Et donc quand on fait de la cartographie, déjà, première chose qu'on doit se poser comme question, on va projeter une sphère sur un plan. Donc, qu'est-ce qu'on utilise comme type de projection? Et les cartes de Cassini vont être des projections cylindriques, c'est-à-dire qu'on va développer sur un cylindre la sphère. Alors, on va conserver ou la distance, ou les angles, ou les aires, et la carte de Cassini va conserver de façon approximative les distances, ce qu'on appelle une carte équidistante. Alors, Picard, pour réaliser cette œuvre à l'origine, il va mettre au point des instruments. Parce qu'il faut faire des mesures, il faut faire ce qu'on appelle une triangulation. Alors triangulation, ça veut dire que on va faire des mesures d'angle, c'est-à-dire que on vise un clocher ou un point élevé, et puis avec une autre lunette, on va viser un autre endroit, on va mesurer un angle avec une très grande précision. Et de la précision de cet instrument va dépendre de la précision de la carte. Alors il va mettre au point ce qu'on appelle le quart de cercle. C'est un instrument majeur, c'est lui qui met ça au point. C'est un secteur d'à peu près 1 mètre de rayon, avec deux lunettes très précises, et on a également un micromètre, c'est-à-dire des petits fils qui sont placés au foyer des lunettes, qui permettent de mesurer très précisément les distances angulaires, et c'est cet instrument que va utiliser Picard pour établir sa base. Alors sa base, ça veut dire, pour faire une triangulation, vous devez quand même mesurer concrètement un triangle sur Terre, mais avec une toise, c'est-à-dire, vous voulez avec 1 mètre. Donc il va prendre la distance entre Juvisy et Villejuif. Ça fait à peu près 11 kilomètres. Et si vous allez d'ailleurs aujourd'hui à Villejuif ou à Juvisy, vous allez voir qu'il y a des restes de pyramides qui sont un peu plus tardifs et qui marquent cette base. Et pourquoi les pyramides justement? Alors en fait, ces pyramides, elles datent des années 1760. C'est en fait en la mémoire des travaux de Picard. Parce qu'une fois que vous avez établi cette base, vous allez faire de la triangulation. Donc vous utilisez le quart de cercle, vous le mettez à l'horizontale et vous allez faire des triangles, vous allez les relier. Il va partir à peu près du Gâtinais, il va monter jusqu'au sud d'Amiens et il va faire comme ça ses mesures et il va obtenir à peu près 1 degré de latitude. Ça correspond à peu près à 111 kilomètres. Alors l'autre chose que va faire Picard, c'est que aux deux extrémités de sa base, il est obligé de mesurer les coordonnées. Vous aurez la latitude du point bas et la latitude du point haut. Alors, il a un autre secteur angulaire. Il utilise les étoiles. Et il obtient une excellente valeur de ces deux points haut et bas, d'accord, entre Amiens et le Gâtinais. Et c'est le début de sa triangulation. C'est là-dessus que vont s'appuyer les Cassini. Alors, il faut dire que
L'autre bénéfice dont va bénéficier Picard et les Cassini, c'est que, on l'a vu sur les cartes antérieures, la grande inconnue pendant très longtemps, depuis l'Antiquité on peut le dire, c'est la longitude d'un lieu. Autant c'est à peu près bien mesurer la latitude, autant la longitude est une vraie difficulté. Et pour mesurer les longitudes, il faut deux choses. Un, des horloges. Et ça, Picard bénéficie de l'invention de Christian Huygens, qui est invité d'ailleurs à Versailles, qui travaille pendant 10 ans à Versailles pour Louis XIV, et qui va inventer la pendule à balancier. C'est une invention majeure du point de vue technique astronomique. Avant les horloges à balancier, on a des horloges à folio, la précision c'est 20 minutes par jour. Avec Huygens, on tombe à une seconde sur plusieurs jours. C'est une amélioration d'un facteur 1000 dans la précision. Donc il vous faut une horloge, et puis ensuite il vous faut un indicateur céleste. Et ça, Picard va avoir des éphémérides, c'est-à-dire des tables qui donnent la prévision des satellites de Jupiter. Il se trouve qu'il y a un astronome qui travaille à Bologne, c'est Jean-Dominique Cassini, qui est un immense astronome aussi, qui a travaillé sur la Lune, qui a fait des méridiennes, qui a fait plein de choses. Et Cassini reprend une idée qu'avait imaginée Galilée, Galilée qui découvre en 1610 les satellites de Jupiter, donc vous savez, ces petites lunes qui tournent autour de la planète géante, et il comprend rapidement qu'on pourrait utiliser les éclipses de ces satellites de Jupiter lorsqu'ils rentrent dans l'ombre de Jupiter, en particulier les éclipses du premier satellite Io, qui s'éclipse tous les 42 heures, grosso modo, pour trouver la longitude d'un lieu. Parce que si vous faites des éphémérides, par exemple, des éclipses de Io pour Bologne, pour le méridien de Bologne, d'accord, et que vous êtes à un autre méridien, à Paris, vous allez mesurer des éclipses à une heure différente. Et la différence des heures entre ce que vous observez et le méridien de l'éphéméride vous donne la longitude. Et donc Cassini publie ses tables, ses éphémérides des satellites de Jupiter en 1668, elles arrivent chez Picard, et là il se dit, c'est extraordinaire. Et c'est lui qui va convaincre Colbert d'inviter Cassini à l'Observatoire de Paris. Parce qu'il se trouve qu'en même temps, à la même époque, sous l'impulsion de Louis XIV et de Colbert, l'Académie des sciences fonde l'Observatoire de Paris en 1667, dont Picard est un fondateur majeur. C'est lui, le 21 juin 1667, qui va déterminer le méridien du lieu, la direction nord-sud géographique, autour duquel on va construire le bâtiment que vous pouvez voir dans le 14e arrondissement et dont les plans sont dus à Charles Perrault. Est-ce que vous pouvez expliquer justement comment fonctionne un méridien ? Alors, le méridien, c'est la direction nord-sud géographique. Autrement dit, on matérialise au sol une direction. Et c'est dans cet observatoire, mais ça sera le fils de Jean-Dominique Cassini, qui va matérialiser dans au premier étage de l'observatoire une méridienne, qui va devenir en fait le méridien de Paris, supplantant d'ailleurs le méridien des Açores, parce qu'il faut dire une chose, c'est que on comptait les longitudes dans l'Antiquité depuis le méridien de l'île de Fer qui passait aux Açores. Il y avait un édit de Louis XIII qui recommandait de compter les longitudes depuis l'île de Fer, les Canaries. Donc, grâce à Picard, on va mesurer les longitudes en France depuis ce méridien de l'Observatoire de Paris. Donc, on fonde l'observatoire. Cassini arrive en 1671 en France et il va devenir le directeur de cet observatoire et toute sa descendance, puisqu'il va y avoir 4 Cassini qui vont diriger l'Observatoire de Paris jusqu'au début du 19e siècle. Donc, Picard, il a une horloge, il a les satellites de Jupiter pour déterminer les longitudes, il a son quart de cercle, et donc il va se lancer dans l'établissement d'une carte de France. Et il va, avec son compère, un autre astronome qui s'appelle Lahir, établir notamment toutes les cartographies, toutes les coordonnées des villes du bord de mer. Et ce qui fait qu'on va présenter, alors il meurt en 1682, mais Lahir poursuit son œuvre, et dans les années 1690, on va présenter au roi une carte de France, à Louis XIV, puisqu'on voit que les coordonnées du royaume ont été extrêmement réduites. On commettait des erreurs de à peu près 2 degrés en longitude, c'est considérable. Et c'est dans cette carte que Louis XIV dit « Messieurs de l'Académie de l'Observatoire de Paris, je vous finance avec mes deniers et vous avez réduit mon royaume plus que toutes les guerres que j'ai menées jusque-là. » Alors évidemment, faire une réponse un peu flatteuse en disant « Mais sire, mais non, vous n'avez pas besoin de tout ce territoire pour être le plus grand, le plus fort, le plus beau. » Enfin bref, et c'est le début de la cartographie parce que Jean-Dominique Cassini va poursuivre l'œuvre évidemment de Picard.
il va mourir au début du XVIIIe siècle. Et c'est son fils, donc Jacques Cassini, qui va poursuivre l'œuvre. Alors, on va prendre le méridien de Paris, je l'ai dit, pour coordonner. Et il va faire un travail mais monumental. On va en reparler tout à l'heure avec Théodore. Monumental, à la fois pour établir des coordonnées de lieux, pour faire une triangulation du royaume. C'est un travail colossal. Et on arrive à une précision absolument remarquable. Ce qui est amusant, c'est que Picard, je ne l'ai pas précisé, il a déjà pu éprouver les méthodes des satellites de Jupiter, parce que dans les années 1670, il est envoyé à l'île d'Orven, où observait le grand astronome Tycho Brahe, à côté de Copenhague, pour déterminer les coordonnées de l'île d'Orven. Et donc c'est là qu'il va utiliser pour la première fois les satellites de Jupiter, et de son voyage à Orven, il va ramener dans ses bagages, si je puis dire, un grand astronome, Olaf Römer, qui va travailler à l'Observatoire de Paris, et c'est là qu'en 1676, Olaf Römer va déterminer la finitude de la vitesse de la lumière. C'est une découverte fondamentale pour la physique. Donc ça, c'est Olaf Römer. Quant à Jacques Cassini, alors il est moins glorieux que son père. Pourquoi ? Le pauvre, il va faire plein de mesures. Alors, il va faire de la cartographie, de la triangulation, mais il va déduire de ces mesures que la Terre, selon lui, est aplatie à l'équateur. Alors, il faut pas oublier qu'il y a un contemporain qui est pas très loin, c'est Newton. Et en 1687, dans ses Principia, Newton affirmait que la Terre était aplatie au pôle. Donc, il va avoir au début du XVIIIe siècle, à l'Académie des sciences, une invraisemblable querelle, mais très violente, entre les Cassiniens et les Newtoniens. Alors, qui a raison? Est-ce que la Terre est aplatie au pôle ou est-ce qu'elle est aplatie à l'équateur? L'Académie des sciences va s'en mêler. On va envoyer une expédition en Laponie avec Maupertuis pour mesurer un degré de méridien. Une expédition dans les Andes avec la Condamine et Bouguer pour mesurer aussi un degré. Et finalement, c'est effectivement les Newtoniens qui vont avoir raison. La Terre est aplatie au pôle, ce qui va un peu ridiculiser ce pauvre Jacques Cassini. Oui, qui d'ailleurs n'avait même pas de portrait. On a cherché un portrait pour illustrer. Oui. Donc on en avait du 1, du 3, du 4, mais le 2, impossible de trouver. Le 3 après a quand même continué, enfin, et le 2 aussi a continué à cartographier la France. Oui. Et je voulais revenir aussi sur quel intérêt. Quels sont les enjeux de la cartographie? Alors, Colbert, au début, était vraiment un visionnaire, se rend bien compte qu'il y a des lacunes dans la gestion du royaume, à la fois pour les finances, pour l'impôt, mais aussi pour les réseaux de transport, pour tout ce qui concerne les canaux et tout ce qui concerne les arts militaires. Donc, il se rend bien compte qu'il faut financer l'entreprise. Donc, c'est lui qui finance au début. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il y a vraiment une nécessité politique, je dirais, et en même temps militaire, qui va durer jusqu'au 19e, voire 20e siècle, hein, de toute façon, puisqu'ensuite, c'est les militaires qui vont s'emparer de la carte de Cassini début 19e. Mais pour la gestion économique, c'est indispensable de bien savoir comment se répartit le royaume. Et on l'utilisera ensuite, cette cartographie, pour faire des provinces. Et donc, il y a une vision de Colbert qui est très puissante. C'est pour ça qu'il n'hésite pas à financer cet ouvrage, mais colossal. Et donc, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la production de ces cartes-là? Parce qu'on appelle ça aujourd'hui la carte de Cassini. Mais en réalité, c'est plusieurs cartes, c'est 181 feuilles. Oui, alors ça, c'est Cassini III, donc le fils de Jacques-Dominique, qui a convaincu Louis XV de prendre la suite et de faire vraiment une carte détaillée du royaume à l'échelle de 10 000 toises. Donc c'est 1 cm sur la carte, c'est 864 mètres sur le terrain, et c'est ce qui permettait d'avoir une vision très détaillée de la France, de pouvoir voir les bourgs, les petits hameaux, c'est effectivement une œuvre colossale. Et donc si on prend l'ensemble d'ailleurs de ces cartes et qui sont les réunies, ça fait 12 mètres de haut sur 11 mètres de large, si on réunissait les 181 cartes. Ça fait beaucoup. Donc une des premières étapes, ça a été donc la triangulation. Donc ouais. C'est une carte de France avec plein de triangles partout. Oui, oui. Et puis ensuite, donc il y a eu des levées. Donc c'est-à-dire qu'on a envoyé des personnes pour des ingénieurs géographes, voilà. Tout à fait, sur le terrain. Il y avait une collaboration, d'après ce que j'ai pu comprendre, avec aussi les autorités locales. Et l'Église. Ouais. Donc l'Académie envoyait les ingénieurs géographes sur le terrain et ils étaient épaulés par des personnes qui étaient dépêchées par les autorités locales. Il a quand même eu un grand souci, c'est la guerre contre l'Angleterre, parce qu'effectivement c'était une entreprise qui
coûtait très très cher. Et donc en 1756-57, les caisses du royaume ont été vides et donc il a fallu trouver une solution. Et cette solution, ça a été l'établissement d'une société qui a regroupé un certain nombre de personnes assez connues, dont Madame de Pompadour. Donc ils ont eu une sorte d'approche économique qui faisait que ils étudiaient les cartes, parce que ça, en fait, ça, c'est une seule feuille. Hein. Ce qu'on voit, c'était gravé sur du marbre, c'était imprimé sur des plaques de cuivre qui étaient gravées. Et donc c'était une seule feuille, ça faisait cette taille-là, et qui était en noir et blanc, et qui était vendue à l'unité. À chaque fois qu'ils levaient une carte, ils vendaient la carte. Et c'est comme ça aussi qu'ils ont eu les financements pour poursuivre l'entreprise. Donc ça, ce qu'on voit là, nous, c'est l'édition colorisée, qu'on dit version de la reine, dont on pense que c'est Marie-Antoinette qui l'a commandée, mais on n'est pas sûr. Mais effectivement, alors c'est vraiment l'ancêtre de la carte moderne, parce que on a commencé à utiliser des codes couleurs, donc de façon assez intuitive, le vert pour les forêts, bleu pour les fleuves, et tout ce qui est ville, c'est en rouge, et c'est d'ailleurs resté. Alors ça, c'est l'exemplaire qui est conservé à la BNF. Pour cette édition-là, donc ça a été rehaussé à l'aquarelle et après ça a été découpé en 21 rectangles. Et ce qu'on voit derrière, en fait, c'est la toile de jute. Ça a été contrecollé après sur de la toile de jute. Et l'idée, c'était qu'on pouvait la replier. Parce que, évidemment, pour se déplacer, c'était bien plus facile d'avoir une carte dépliante. Et donc, vraiment, c'est l'ancêtre de la carte Michelin, IGN. Dont on va peut-être reparler après avec Loïc. Ouais. Il faut préciser une chose, c'est que on a vu que Picard avait commencé avec un quart de cercle, ça va être amélioré par la suite, et fin 18e, vers les années 1790 à l'observatoire, on va perfectionner le quart de cercle avec ce qu'on appelle le cercle répétiteur de Borda, qui est un appareil qui permet de mesurer des angles à une seconde près. Okay. Donc ça veut dire qu'il y a certaines cartes, celles qui sont faites à la fin, qui sont plus précises que celles du début, qui ont été débutées au début 18e. On pense que la précision du quart de cercle de Picard, c'était un tiers de minute, on va dire 20 secondes, ce qui est déjà remarquable. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a des cartes aussi précises, à la fois en coordonnées et en triangulation. Parce que c'est bien beau de faire une triangulation le long du méridien de Paris, mais les Cassini vont faire plein d'autres perpendiculaires. Ils vont travailler en faisant des perpendiculaires, à peu près 13. Ils vont trianguler de chaque côté, et ensuite on les raccorde. Et ça demande des calculs considérables. Parce que on ne voit pas sur ces cartes les altitudes. Mais quand on fait une triangulation, on a son quart de cercle qui est horizontal, il faut le mettre à niveau, mais on vise des clochers et des points qui sont à des altitudes différentes. Donc ensuite, il faut faire un nivellement. D'accord? Et on discutait tout à l'heure du nivellement. Alors, il ne figure pas sur ces cartes, mais Picard va y être confronté. Et à cette époque-là, le niveau zéro des altitudes, c'est le rez-de-chaussée du château de Versailles. C'est la mer. Non, c'est plus tard. C'est Cassini qui va avoir l'idée, en faisant la triangulation en Méditerranée, de dire qu'il faudrait mieux qu'on prenne la Méditerranée pour avoir le point zéro de référence. Mais bon, c'est une entreprise qui a demandé, évidemment, énormément de calculs trigonométriques. C'est complètement fou quand on voit tout ce qui est reporté. On imagine le travail colossal. La date qui est indiquée ici, c'est la date des relevés topographiques. Donc là, c'est 3 ans, mais parfois c'est beaucoup plus. Et puis dans les Alpes, dans les montagnes, c'était très très compliqué. C'est absolument fascinant le niveau de détail qu'ils ont été capables de produire. Et d'ailleurs, ce niveau de détail, il est assez inégal en fonction des cartes. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup d'explications qui sont possibles. Déjà, effectivement, cette carte-là, ça a été établie sur à peu près une cinquantaine d'années. Donc, il y a eu des évolutions dans la façon dont on a pris les cartes, les instructions, même si c'était quand même assez homogène, il y a dû y avoir des différences. Après, c'était aussi une collaboration avec les autorités locales, et donc il y a des choses qui ont été sans doute privilégiées sur d'autres. Et puis effectivement, ce que disait Denis, c'est que la précision est allée en augmentant. Voilà. On va peut-être passer à une carte. Enfin, on va découvrir ensemble plusieurs cartes pour voir la variété. Ce qui est marrant, c'est que donc, toutes ces cartes, on a utilisé les satellites de Jupiter, une planète bien visible à l'œil nu, pour déterminer les longitudes. C'est incroyable. Encore d'ailleurs, au début 19e, on utilise les éphémérides de Jupiter sur Terre pour trouver les longitudes. Sur Mer, on utilise d'autres méthodes. Mais c'est une méthode très très précise. Notamment, on utilise les immersions du satellite Io. Voilà.
Donc ça marche très très bien et on pourrait encore de nos jours les utiliser hein, avec des éphémérides. Loïc, qu'est-ce que vous voyez vous, quand vous regardez cette carte ? Alors moi, je travaille sur une carte d'aujourd'hui, mais je me suis penché sur celle-ci pour préparer cette rencontre. En fait, les cartographes, on a à peu près 3 outils pour dire le territoire. Ce sont des éléments linéaires, des éléments surfaciques et des éléments ponctuels. Donc le linéaire, ce sont les routes, ce sont les cours d'eau. Le surfacique, ce sont des polygones qui sont là, évidemment, les forêts et les bois. Et puis le ponctuel, c'est souvent conventionnel, un clocher. Et en fait, ils avaient déjà ce vocabulaire-là. J'allais dire tout ce vocabulaire et rien que ce vocabulaire. Et en complément de ce vocabulaire graphique, on a le vocabulaire de la toponymie, qui est de mettre des noms sur les choses. Ça, j'y reviendrai parce que c'est des choses qu'on a presque perdues parfois avec le temps. Je vous montrerai un peu comment la carte IGN de Paris, par exemple, est très peu bavarde en matière de toponymie, alors que celle-ci, elle est très bavarde. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et tout à l'heure, il y avait un zoom sur une autre carte. Et ce qu'on voit, c'est une sorte d'arborescence. On dirait presque un papier peint. Et c'est ce qui fait la beauté de cette carte. Et en fait, cette arborescence, elle est principalement le fait des bassins versants. C'est vraiment le système hydrique qui saute aux yeux, alors que le réseau viaire, on appelle le réseau viaire l'ensemble des voies, est beaucoup moins présent. Alors, ça, si je peux me permettre une petite aside, c'est apparemment Cassini avait, Cassini 3 et 4 avaient vraiment à l'esprit que la carte puisse rester véridique longtemps. Donc tout ce qui était chemin dans lequel il n'était pas tout à fait sûr, il a préféré ne pas les reporter. C'est pour ça que effectivement il n'y a pas énormément de chemin sur, mais c'était délibéré en pensant à la durée. Et moi ça m'amuse parce que je travaille sur une carte destinée aux piétons pour découvrir notamment la proche banlieue de Paris. Dieu sait si c'est un endroit urbain où la voiture a sa place, mais j'essaie justement de gommer la place de la voiture et donc la place de la route. Alors qu'on a tous dans le sang la carte Michelin, qui est une carte routière, qui elle est structurée sur vraiment la question de la route, presque comme un système sanguin avec ses artères, ses vaisseaux, ses veines, sa nationale, son autoroute. Là, le système, et vous le dites très bien, le système viaire est presque secondaire. Oui, j'ai effectivement lu aussi, parce que ils avaient le réseau viaire était probablement encore un peu en mauvais état. Il changeait, voilà, peu développé. Donc, il y a quelques routes pavées, on les voit. Il y a des allées bordées d'arbres, à certains endroits, notamment à proximité des domaines princiers ou royaux, c'est très bien indiqué. Et ça, on les trouve encore à la sortie des villages ou des châteaux, on voit bien ces allées bordées d'arbres. Ça, ils les mettent bien en valeur. Mais c'est vrai que tout ce qui est chemin secondaire, probablement aussi qu'à l'époque, on se déplaçait à cheval et qu'on n'hésitait pas à traverser un pré, s'il était tondu, ben on passait par là, que la météo avec une crue pouvait modifier un passage, un chemin. Donc c'était en fait des données très changeantes, alors qu'aujourd'hui, on attend d'une carte qu'elle nous donne d'abord la route et la solidité du réseau viaire. J'aime aussi comment les bassins versants sont pour le cartographe une sorte de sécurité, parce qu'en fait, un bassin versant, c'est très jolie nervure là qu'on voit là. Vous savez que si vous descendez la rivière, vous allez bien arriver à un point donné. Et en fait, un bassin versant, c'est du surfacique qui va se résumer à un point, à savoir la confluence ou l'embouchure. Donc, d'un point de vue de repérage de l'utilisateur, c'est très sûr, un bassin versant. On descend la rivière et on sait qu'on va arriver, là, c'est en ce nid. Et ben, si on voit que la rivière va en ce nid, en suivant la rivière, on y arrivera bien. Alors que la route est très incertaine. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'il y a, là, par exemple, c'est qu'une succession de hameaux qui sont pas du tout liés par quelconque chemin. Ils sont juste notés sur une surface blanche. Alors, c'est encore utilisé aujourd'hui, les cartes de Cassini. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Si vous achetez un moulin, il n'y a plus d'eau qui passe. S'il figure sur la carte de Cassini, il y a un décret officiel qui vous donne le droit d'eau. On peut avoir un droit d'eau dans votre maison de campagne. Si elle figure sur cette carte, vous pouvez demander à ce que l'eau y passe obligatoirement. C'est un droit. Voilà. Donc, ce n'est pas à négliger. Hein.
Alors d'ailleurs, elle a un certain succès, parce qu'elle va, elle va se vendre, comment on va vendre pas mal de feuilles, voilà, au XVIIIe siècle. Et du coup, les militaires vont s'en emparer début XIXe, parce que Cassini IV va finir le travail commencé par son arrière-grand-père, et on est sous la Révolution française. C'est un succès mitigé, quand même, du point de vue financier, je crois. Mais la fin, c'est les militaires qui l'ont fini. Voilà. Parce qu'en 1792, quand la guerre de coalition a commencé, ça a été terminé. Ils ont pris toutes les cartes, toutes les plaques de cuivre aussi. Et je crois que même Cassini IV a fini un temps en prison pour pas que ça passe aux mains de l'ennemi. Parce qu'effectivement, c'est une source d'information pour l'ennemi. S'il tombe dessus, ça donne un avantage stratégique très important d'avoir des cartes comme ça. Alors du coup, les militaires mettent la main dessus début 19e. Et après, ils vont changer. Elle va tomber dans une certaine obsolescence, on va dire. Ouais, ouais. Ils vont utiliser la carte d'état-major qui va débuter début 19e, avec la projection de Bonne, qui est une projection un peu différente de celle de Cassini, et qui va mettre tout le 19e à s'établir, quoi. Et qui sera changée elle-même début 20e avec les cartes qu'on appelle IGN, mais l'IGN date de 1940, avec une autre projection qui est la projection de Lambert. Voilà, et donc là, on va arriver à la carte de Paris après tous ces... Alors là, on voit le niveau zéro. Alors on voit le niveau zéro, on a donc le méridien de Paris qui est ici, donc c'est la direction nord-sud géographique. Alors c'est grâce à cette carte de Cassini que jusqu'en 1911, la France a compté ses longitudes. Puisque vous savez que l'observatoire de Paris, je l'ai dit, se fonde en 1667. L'observatoire de Greenwich, à côté de Londres, est un peu plus tardif. Au XIXe siècle, il y a une bataille entre les Français, les Anglais, les Américains sur la primauté du méridien. Les Français savent que c'est mal parti, donc ils ressortent leur besace d'adopter comme méridien international celui de l'île de Fer des Canaries. Mais les Américains, les Anglais, qui ont une puissance maritime et commerciale bien supérieure à celle des Français, proposent un deal aux Français. Ils leur disent... Si vous abandonnez le méridien de Paris et que vous adoptez le méridien de Greenwich, nous adopterons le système métrique. Et on sait que... Alors, on est en 1884, c'est la conférence internationale de Washington. Les Français disent « Ah bah oui, c'est chic, voilà. » Donc, ils disent d'accord. Et malheureusement, vous le savez, ils vont s'apercevoir qu'ils se sont fait avoir. La perfide Albion. La perfide Albion. Et alors, en 1911, les Français tiennent parole. Donc, il va y avoir un décret qui officialise l'adoption du méridien de Greenwich comme méridien international pour définir à la fois les longitudes et l'heure. Mais pour que l'honneur français soit sauf, dans le décret, on va dire, à propos de l'heure légale en France sera l'heure du méridien de Paris, retardée de 9 minutes 21 secondes, qui est la différence de longitude entre Paris et Greenwich. Ça évite de prononcer le mot de la perfide Albion de Greenwich, en l'occurrence. Hein. Et donc, c'est grâce à Cassini que le méridien de Paris s'est imposé, grâce à cette méridienne qui traverse l'observatoire. Et les cartes IGN, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, Loïc le sait, au 25 millième, comptaient encore les longitudes en grade depuis le méridien de Paris. Donc là, on voit la perpendiculaire. Donc, l'observatoire de Paris, donc c'est l'axe nord-sud. C'est le cardo et le décumanus, c'est l'axe est-ouest avec la perpendiculaire sur laquelle on a fait les triangulations parce qu'on triangulait vers le nord et vers le sud et on faisait comme ça des perpendiculaires régulières et on raccordait tout ça. C'est un travail mais gigantesque à la fois sur le terrain de calcul astronomique considérable et la France là-dessus est vraiment précurseur. Et un travail après de gravure. Mais c'est dingue, surtout qu'il gravait à l'envers. Tout ça, exactement, tout ça est donc reproduit à l'échelle original. Tout est évidemment gravé à la main. Hein. C'était évidemment en miroir, puisque c'était un négatif. Donc c'est absolument fou le travail qui devait être aveugle à l'âge de 20 ans. C'est pas possible. Et d'ailleurs, même quand il faisait une erreur, il était obligé de retourner le cuivre, de taper de l'autre côté pour le redéformer et puis le regraver ensuite. Donc c'est... J'imagine que vous, du coup, vous avez appris tout ça en travaillant sur la réédition. Oui. Comment s'est passée justement la réédition? Pourquoi rééditer la carte de Cassini? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait fait un livre qui s'appelait L'Atlas des nuages, qui était une réédition de L'Atlas des nuages de 1898.
et qu'on avait présenté comme un livre d'art, parce que c'était avec des photos de l'époque et des peintures. Et on avait trouvé ça très beau. Donc c'était la première fois qu'on faisait un mélange entre art et science. On nous a parlé de la carte de Cassini. Donc on a regardé sur Gallica, moi j'ignorais, donc on a commencé à regarder ça. Et on trouvait ça superbe, magnifique. Donc on téléphone à des distributeurs, on me dit « Ah, carte de Cassini, mais c'est génial comme idée, il faut y aller. » Alors du coup, on s'est dit « Bah, il faut qu'on fonce, on va faire un projet sur la carte de Cassini. » Là, évidemment, on regarde les choses sur un ordinateur, et quand on regarde dans les marges ce qui est indiqué, on s'aperçoit que la feuille fait 95 cm de large et 60 de hauteur. On voit le niveau de détail, on se dit que c'est pas possible de réduire la taille, et là, les ennuis commencent. Ouais, et justement, arriver à un livre comme ça, comme celui-ci, qui fait 15 kilos, ouais. 1,20 m d'envergure sur 70 cm à peu près, 400 pages. En fait, on appelle ça un livre, mais nous, on le considère aussi comme un livre d'art, donc c'est quasiment c'est des pièces d'art, en fait. Nous, la première préoccupation, ça a été de savoir combien ça coûte de faire un livre pareil. Et là, on s'aperçoit. Donc, on s'est tourné vers notre imprimeur pour qu'il nous fasse un devis. Après, il m'a dit, moi, je fais une taille comme ça, pas plus, quoi. Mais certainement pas cette taille-là. Donc, on cherche en France, on s'aperçoit que c'est pas possible. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a que deux imprimeurs en Europe qui sont capables de faire des livres de cette taille-là. Et tout est à l'avenant, on nous envoie un livre, c'est un exemplaire à blanc. Donc c'est exactement ce livre-là, mais sauf que toutes les plages sont blanches. J'ai jamais vu un bloc-notes aussi gros que ça. Mais c'est juste pour tester la reliure, la forme, si c'était bon, si le livre tenait bien. Voilà. Et après, cet exemplaire à blanc nous a servi aussi pour faire la mise en page, parce que nous... on avait fait un beau livre comme ça, qui était grand comme ça, mais évidemment, avec des livres de cette taille-là, bon, pour savoir exactement le rendu, il faut faire des essais sur l'exemplaire à blanc. Oui, c'est un travail très compliqué, très long. Et combien de temps ça vous a pris ? En tout, ça nous a pris 2 ans et demi. 2 ans et demi, la fabrication même du livre, parce qu'il faut faire le papier sur mesure, la reliure, une partie faite à la main. Et donc, c'est 5 mois entre la fabrication du papier, l'impression, la reliure, les cartons d'emballage, tout ça, c'est très très long. Mais c'est un peu un retour aux sources, parce qu'il a été imprimé à Vérone, voilà, pas très loin de Bologne. Tout à fait. D'où est parti Cassini. Et voilà, oui. Ouais, ouais. Oui, si vous allez à Bologne, allez voir la basilique San Petronio. Vous allez voir une des plus belles méridiennes au monde, qui est tracée par Jean-Dominique Cassini. Vous pouvez voir le soleil passer au méridien avec une tache de lumière énorme. Elle mesure à peu près 67 mètres de long, avec un œilleton qui est à 27 mètres de haut dans la cathédrale. Hein. Ouais. Et donc, un petit œilleton d'à peu près 3 mm de diamètre. Vous avez une tache qui passe à toute vitesse. Et cette méridienne dont parle Loïc va être utilisée pendant tout le XVIIIe siècle pour faire des mesures de hauteur du soleil. Et c'est grâce à ces grands instruments que l'on va vérifier que l'axe de rotation de la Terre ne conserve pas une direction fixe dans l'espace. En fait, les plus grands observatoires au XVIIIe siècle sont dans des cathédrales. Vous avez celle de Bologne, celle de l'observatoire est beaucoup plus petite, mais vous avez celle de Saint-Sulpice à Paris, qui est faite par Le Meunier, qui est une très grande méridienne aussi, qui est magnifique, et qui va fonctionner jusqu'en 1799, puis d'autres en Italie, parce que l'Italie, c'est le pays des méridiennes, et Bologne, c'est emblématique. Vous allez voir, elle est splendide, elle est incrustée dans le marbre, c'est une beauté absolue. Merci pour ce conseil. Revenons à la carte de Cassini, notamment à la carte de Paris qui a été la première. Il y a eu celle-ci alors, et celle de Beauvais aussi, qui ont été publiées dans le même, au même moment. Alors évidemment, les relevés ne sont pas tout à fait les mêmes. Cela, ça a mis 6 ans et Beauvais, ça a été une seule année. Et il y a moins d'informations. Et effectivement, et alors nous, ça a été un gros travail d'identification de la légende, parce que les symboles qui émaillent la carte, Cassini a donné ses instructions, enfin Cassini 3 et 4, les instructions pour établir la légende, mais il n'en a pas fait un document synthétique et destiné à rester à la postérité. Donc, il y a eu beaucoup d'établissements de légendes qui ont été faits par la suite, et on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas toujours fondées, et donc on est reparti de la base, c'est-à-dire qu'on a identifié tous les symboles, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de symboles, et sous la direction de notre directeur scientifique, Jean-Luc Arnaud, on a reconstitué la légende, avec parfois des doutes, avec des incertitudes, mais on l'a mentionné. Donc, notre contribution d'un point de vue scientifique, c'est vraiment la légende. Et donc vous, Loïc, quand vous regardez cette carte,
et que vous la comparez à la région, à la banlieue parisienne actuelle, qu'est-ce que vous voyez ? Quelques changements, mine de rien. Ouais. Mais déjà, j'aime effectivement le ponctuel. Là, on voit qu'ils ont presque inventé ce qu'on appelle le pictogramme aujourd'hui. Et c'est assez intuitif entre la chapelle. Parce que, donc, je vais prendre un peu la liste. Vous l'aviez commencé tout à l'heure. Mais il y a une sorte de liste un peu de ce qu'ils avaient envie de mettre en valeur, les villes, les bourgs, les paroisses, les hameaux, les châteaux, les moulins, les chapelles, les fermes détachées, les tours ruinées, les auberges, les cabanes, les tuileries. Donc tout ça dit la réalité d'un terrain, d'une région, s'il y a une tuilerie, d'une industrie, d'une activité, d'une... Voilà. Les moulins. D'une époque aussi. Et j'ai même lu qu'ils avaient signalé les champs de bataille, avec deux épées croisées, et pour les batailles qu'on avait gagnées, les épées étaient tournées vers le haut, pour celles qu'on avait perdues, les batailles étaient tournées vers le bas. Donc assez malin dans l'invention des pictos. Et cette carte de Paris, elle diffère un tout petit peu des autres à deux titres, selon moi. C'est déjà qu'on a un vrai bâti avec la ville de Paris, alors qu'ailleurs, il y a d'autres grandes communes, mais c'est vrai que c'est très vite des choses assez schématiques. Ouais, là, il y a Versailles, voilà. Saint-Germain. Mais voilà. Paris donc est un petit peu plus... consistante. On voit les différents quartiers, on voit les murailles qui datent de Louis XIII, qui sont à peu près les grands boulevards d'aujourd'hui. On voit un faubourg du côté de Charonne, le faubourg Saint-Antoine, qui va probablement donner tous les révolutionnaires, parce que c'est le quartier le plus populaire, quoi. Donc et puis après, la toponymie, elle n'a pas beaucoup changé, c'est-à-dire que tous les noms qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas là, mais tous les noms qui sont là, on les utilise encore aujourd'hui. Et parfois, dans des précisions, des petits... Si je vais dans la Seine-Saint-Denis, qui est un endroit que j'ai bien travaillé et essayé de mettre en valeur, on voit par exemple le long d'eau, qui est aujourd'hui une cité de bars et de tours parfois problématiques. C'est un quartier, une zone urbaine sensible, alors qu'à l'époque, c'était simplement un petit monastère perché sur son coteau. Voilà. Mais les noms sont restés. Et on voit bien la butte de Romainville, qui est une éminence à l'est de Paris, que moi j'essaye dans la carte que j'ai faite de l'est parisien de faire ressurgir, parce que en fait l'urbanisme contemporain nous a un petit peu éloignés de la réalité physique du terrain. Dans l'approche banlieue de Paris, il y a peu de points qui dépassent les 130 mètres, alors qu'on a déjà construit des tours qui font 140-200 mètres. Donc c'est vrai que quand on habite une tour qui fait 200 mètres, une éminence de 120 mètres, on la voit plus, quoi. Donc alors que ce relief, évidemment, il dit des choses de notre environnement. On a fait disparaître évidemment le réseau hydrique. Tous les petits ruisseaux de la Seine-Saint-Denis ont disparu en égouts. La Bièvre, évidemment, vous la connaissez. Et donc là, en revanche, la Bièvre, on la voit très bien. Il y a un rapport à la nature dans ce qui est dit de Paris qu'on a perdu, mais qu'on peut encore retrouver. C'est ce que je m'attache à faire avec cette carte, parce que il y a encore des chemins, il y a encore des réalités de terrain qui disent la nature, qui disent le relief. Voilà. Justement, on peut découvrir ces cartes-là, cette carte-là. Alors, je ne sais pas si je l'étends par ici. Qui est le voyage au bout de la ligne 11, qui va être édité la semaine prochaine, voilà, éditions Les Voies Urbaines. Voilà, dans l'immédiat, je travaille sur une carte qui va faire tout le tour de Paris, avec Paris, mais à chaque fois, Paris est pour un quart dans un coin, de façon à vraiment mettre ce qu'on appelle la banlieue au cœur de mon projet, et que Paris reste une référence parce que tout s'organise depuis Paris, mais que Paris ne soit pas l'astre. Voilà. Il faudra mettre les quatre cartes au mur pour retrouver l'astre central, mais c'est pas pour demain. Donc pour l'instant, je m'apprête à éditer ce morceau de carte qui est effectivement centré sur le prolongement de la ligne 11 du métro. La ligne 11 du métro qui part de Châtelet vers la mairie des Lilas, prolongée de 6 stations, et qui va donc courir jusqu'à Rosny-sous-Bois. Donc pour cette ligne, c'est une mutation totale d'une petite ligne de quartier, va devenir presque une sorte de RER, de ligne presque régionale. Donc là, on voit bien sur cette carte la butte de Romainville, que j'ai, on l'a dit tout à l'heure, chez les Cassini, ils avaient un peu de mal à représenter le relief.
Moi aussi, j'ai du mal à le faire parce que aujourd'hui, on sait faire avec des ombrages. On fait des très jolies cartes de montagne. Mais dans l'urbain, c'est difficile d'utiliser l'ombrage parce que l'ombrage, il a tendance à tout masquer, à tout absorber. Donc, j'ai pris le parti d'une sorte de couleur un peu ocre qui, plus elle est dense, plus elle dit l'élévation du terrain. Et j'en viens à ce que disait Théodore sur les couleurs. En fait, puisque j'essaie de faire une carte d'un nouveau genre, je me suis amusé à essayer de renverser les couleurs. Pourquoi pas mettre le... Et en fait, c'est vraiment contre-intuitif. Et donc, si vous voulez faire une carte un peu monomaniaque, par exemple, sur simplement les espaces verts de la région parisienne, je pense que vous pouvez les mettre en rose. Le code fonctionnera parce que s'il n'y a que ça à raconter, c'est là où on voit que le spectateur est très docile. J'aime bien aussi parler de la proximité entre la cartographie et le théâtre. On parle d'une représentation quand on parle d'une carte. C'est le même mot qu'on utilise au théâtre. En fait, on essaye de vous raconter le réel par le truchement de quelque chose qui est totalement artificiel, comme peut l'être une représentation théâtrale. Et il faut vous emporter, il faut que vous croyiez à nos codes pour tout d'un coup vous évader dans la carte. Et là, je me rends compte que si on veut avoir un récit complexe, finalement, les codes couleurs qui nous viennent de toujours sont quand même les meilleurs. Le vert dit la végétation, le bleu dit la présence de l'eau. Et donc après, il nous reste peu de couleurs pour raconter le bâti, parce qu'en fait, c'est une des dernières données qui constitue une carte, c'est le bâti. Le bâti chez Cassini, il est pas majeur et effectivement, il est simplement rosé parce qu'effectivement, le rose, c'est pas tellement une couleur qu'on trouve dans la nature vue d'avion. Moi, je l'ai utilisé en violet pour signifier l'architecture remarquable du XXe siècle, qui est un label du ministère, en orange pour dire les lieux culturels, en un rosé pour dire les monuments historiques et ainsi de suite. Et les couleurs plutôt ocre, orange, etc., on les convoque pour dire l'altitude, pour dire le rocher, le ravin. Enfin voilà, on est finalement assez basique parce que c'est ce qu'il y a de plus intuitif ensuite quand on ouvre la carte et qu'on veut que le récit se fasse. Pourquoi cartographier ? Et comment aussi ? Est-ce que vous cartographiez ? Pourquoi ? En fait, je me suis rendu compte, ce retour à Cassini m'a fait poser des questions. À l'époque, en fait, cette carte de Cassini, elle vise un peu à qualifier le territoire. Et moi, je me suis rendu compte que ce territoire, il est archi-cartographié, la banlieue de Paris ou son agglomération. D'ailleurs, les données, je suis parti des données de l'IGN, pour à la fois le bâti, chaque petit monument, ou le vierre, c'est-à-dire l'ensemble des... Mais il a fallu leur donner un style graphique, et ça, c'est très narratif. C'est-à-dire, quelle place vous donnez à l'autoroute ? Moi, l'autoroute, contrairement à une carte Michelin, par exemple, je vous ai apporté Michelin, je vous disais tout à l'heure, c'est la carte routière. Michelin, ce qu'il met en avant prioritairement, c'est évidemment le réseau vier. Et il ne s'embarrasse pas. Par exemple, l'autoroute qui traverse le bois de Boulogne, elle est totalement démesurée. Elle prend à peu près la moitié du bois, simplement pour dire... En voiture, vous pouvez traverser le bois de Boulogne. Alors que moi, je tiens le discours totalement inverse en disant, il y a bien une route qui traverse le bois de Boulogne, mais vous allez arriver à l'éviter, je vais vous montrer comment. Voilà. En fait, moi, je travaille à requalifier le territoire. Et je suis pas le seul, hein, mais c'est à la fois excitant, amusant, parfois contraignant, d'essayer de montrer comment ce territoire, on peut se le réapproprier comme piéton. Tout à l'heure, je vous parlais de la toponymie. C'est aussi amusant de voir cette carte IGN. Et Dieu sait si j'aime la carte IGN et la carte Michelin. Il s'agit pas de les dénigrer. C'est avec ça que j'ai appris à... Mais par exemple, cette carte IGN de Paris que j'adore depuis toujours, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à travailler que, par exemple, l'IGN ne met pas les métros, ce qu'on peut comprendre parce que c'est des choses souterraines. Mais les gares de toute la banlieue, quand il y a une gare, l'IGN met « gare ». Voilà, merci. On ne sait pas si c'est la gare de Bécon-les-Bruyères ou de Meudon-la-Forêt. Il y a simplement marqué « gare ». Donc, sur tout le long de la voie ferrée, « gare, gare, gare ». C'est un peu court, alors que moi, je m'emploie à essayer de nommer mieux les choses. Chaque arrêt de métro, chaque gare, je mets ce qui est. Et j'ai préparé aussi une petite liste à la Prévert pour vous raconter comment j'aime aussi nommer les choses. Parce que les gens, quand je leur ai dit que je faisais une carte, ils me disaient, comme Lou, intrigués, me disent « Mais qu'est-ce que tu mets dans ta carte ?» Et ben, en fait,
rien d'autre que ce que j'ai vu, tout comme Cassini. Mais moi, qu'est-ce que j'ai vu? Je parle vraiment de la proche banlieue de Paris, hein, à Montreuil, à Noisy-le-Sec. Un apiculteur, un atelier solidaire de réparation de vélos, un terrain de pétanque, un éco-pâturage, une école de cirque, le siège de la CGT, le nom d'un architecte connu, 6 maisons en bande. Les maisons en bande, c'est un seul bâtiment, mais en fait, c'est des petites maisons individuelles qui sont collées comme ça dans une sorte de bande. Ça fait quelque chose d'assez original. Les cités Castor qui ont été bâties par leurs propres habitants, une ancienne cheminée d'usine, une piscine tournesol. Oui, ces piscines tournesol, c'est ces piscines qui ont un peu la tête d'une coque d'oursin, qui sont héritées d'un plan baignade des années 70 et qui ont aujourd'hui un look totalement inattendu. Une cité maraîchère qui vient d'émerger à Romainville, qui est une tour dans laquelle on cultive des salades sur 10 étages. Voilà. Et là, je vous en ai pris qu'une petite portion de la liste. Mais moi, mon objectif, c'est que le randonneur, en se penchant sur cette carte, tout comme celui de Cassini, va dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Et organise sa randonnée parce que bah, toutes ces petites choses, ça dit du territoire et de son usage. Justement, toutes ces petites choses, vous les avez vues directement puisque vous êtes promené, vous avez passé des jours et des jours à traverser tous ces territoires-là et à noter. En effet, parce que par contre, je vais démonter Google Maps. Si vous zoomez sur Google Maps, vous allez voir la boutique Pimki, Grand Optical. Bon, voilà. Mais on ne va pas vous dire qu'il y a un atelier solidaire ou un apiculteur. Enfin, il va vraiment falloir. Donc, c'est vrai que je me suis dit, avec Google Maps, je n'aurai pas l'info. Il faut que j'aille la chercher sur le terrain. Et là, c'est assez peu modeste ce que je vais dire, mais je me suis retrouvé dans l'esprit de Cassini. Parce qu'à l'époque, toute sa bande, son projet, on l'a quand même décrit comme une vraie aventure, parce qu'il y avait une vraie démarche sur le terrain et que ça tranchait avec pas mal des cartographes de cabinets qu'on avait jusqu'alors, qui restaient dans leur soupente à dessiner ce qu'on leur avait dit. Tandis que Cassini, il a vraiment envoyé du monde sur le terrain. Et c'est vrai qu'avec mon vélo, je ne le savais pas quand je l'ai fait, mais j'étais un peu comme les arpenteurs de Cassini, qui parfois se sont pris des insultes. Moi, c'est vrai que quand j'ai fait les quartiers nord de Marseille, parfois, il a fallu que j'explique ce que je faisais, parce que sinon, je pouvais être mal reçu. Mais effectivement, il montait dans les clochers des villages, soit avec les seigneurs du coin, soit avec les curés. Aujourd'hui, il n'y a plus de seigneurs ni de curés, donc je m'en remets aux gens que je trouve sur le bord du chemin. Mais je leur demande, où est-ce que vous habitez? Je parle de Marseille, mais j'aime beaucoup cette ville et tous ces quartiers, et je fais ça. Et donc, j'aime bien m'arrêter et demander aux gens, comment vous nommez votre endroit? Parce que l'IGN l'appelle comme ça, mais est-ce que c'est vraiment le mot que vous utilisez? À Marseille, par exemple, je suis allé un peu trop au sud et j'ai demandé à quelqu'un comment cette cité, quel nom vous lui donnez. Et on m'a dit, ah, ce n'est pas une cité, c'est une résidence. Parce que voilà, dans le nord, on parle de cité, dans le sud de Marseille, on parle de résidence. Voilà, donc la toponymie, on peut aussi la trouver auprès des habitants. Mais c'est vrai que ça m'a demandé d'aller à peu près dans tous les coins pour voir ce qui me plaisait. Et parce qu'ensuite, le cartographe, on doit sélectionner, on doit hiérarchiser. Ça fait partie du projet et c'est parfois un crève-cœur parce qu'on peut pas tout dire, mais il faut arriver à dire ce qui est le plus signifiant à cet endroit-là. Moi, j'attends que tu fasses le sud de Paris. Ça va pas tarder. Quand on regarde la carte de Cassini, tu pourras signaler, là, on voit très bien Villejuif, ici, et Juvisy. Et c'est ça qu'a mesuré Picard, avec ses toises du Châtelet qui mettaient, ça faisait 2 mètres, hein. C'était des règles comme ça que faisaient au cordeau. Et là, tu pourras faire figurer la pyramide de Villejuif et celle de Juvisy qui se trouve sur la Nationale 7. Alors, la mire de Villejuif, elle est déjà dans ma carte. Je l'ai signalée. Parfait. C'est une très bonne chose. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Voilà. Eh ben, on va finir sur cette très jolie discussion. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Et puis, on va passer aux questions-réponses.